au fil des années, ça fait bientôt 5 ans que je suis à la tête de ce parquet, une dégradation. Donc je constate une dégradation de la situation en termes de stupéfiants, en particulier de la consommation de plus en plus importante en termes de masse de la résine de cannabis, mais aussi de cocaïne, avec son dérivé qui est particulièrement nocif et dangereux, le crack, qui est apparu dans le département. Et là, ça fait partie vraiment des lignes rouges qui, pour moi, sont des signaux d'alerte absolus.